الناس سمعوا بها، وهذا نعتبره حنايا راه فخر لينا وفخر لجيشنا، جيشنا الجزائري اللي هو ولاد الشعب يا بعد، هما اللي فيه، ما جبناش الشعب واحد اخر هو اللي راهو كيما الجماعه. هذا ما كان، اسمحوا لي. يرحم والديك، ميرسي بوكو. مي شيغ زامي، نو غيست با بوكو دو تون. اتون اتون دو سكوند دو سكوند دو سكوند، جو فيني سيت فراز. دو سكوند جو فيني سيت فراز. Il ne reste pas beaucoup de temps. On aura deux minutes chacun pour faire la conclusion. Chacun a sa manière. Je commence par Alias et je continue. Je veux seulement dire qu'il m'a juste pas qu'à la sujet les exposé Achille. Où j'aimerais bien la Achille même sur Jamel peut même interpréter mes propos. Ce qui a attiré mon attention le plus sur l'affaire Kamel, c'est bien le communiqué l'Isdar al-Nuqal, c'est un pays arabe frère. Donc, en quelque sorte, si on, je salue le professionnalisme, les responsables algériens, non responsables, parce que le traitement, les affaires qui menacent la sécurité de l'Algérie, ils n'ont pas exhibé le nom le pays, mais ils ont préféré dire un pays arabe frère pour dire en quelque sorte et d'une manière indirecte que l'Algérie, au cours de l'histoire, n'a jamais été un pays qui sème la zizanie, et beaucoup plus, l'Algérie a toujours répondu aux appels d'aide d'Akam, les pays frères, les pays arabe, donc c'est ce que je pense à le côté. J'aimerais bien que Jamel ou Achille interprète même mes propos ou la critique ce que je dis ou la je sais pas. Donc c'est bien déjà parce qu'à la belle il y a déjà plus d'informations, sont bien formés par rapport à ce sujet. Et du coup, elle a délibéré ce mariage même. يرحم والديك، ميرسي بوكو. خوتي لي موديراتور، ما تزيدوش طلعوا حتى واحد، ساي اينو راست دي مينوت هادو نكملوهم بيناتنا، شاكان في سا لا كونكلوزيون سا مانيير. رشيد خويا، لا باغول اي تاتوا. ميرسي مراش، ميرسي اتوس، ميرسي اتوس اتوا، ميرسي اشيل، جمال، الياس، اكيلا بات. أتكون صحيح قبل الانتهاء من الوقت ولا مصير تيجي تبي جكاتيف ما جست جفي أبل ما tout a été dit je fais appel à nos frères de s'unir je vois que monsieur est descendu avec énervement on ne doit pas raconter des histoires individuelles c'est un C'est un live qui a une signification très importante. Il faut qu'on soit solidaire, qu'on soit en masse et qu'on partage le maximum pour sensibiliser nos concitoyens, nos frères et sœurs pour aller aux urnes, pour aller à la boîte électronique pour donner leur signature. Parce que l'Algérie, à ce qui Faire entendre, l'Algérie ne sera jamais divisée, la Kabylie ne sera jamais divisée. Vive l'Algérie, vive le martyr, et merci à tous et à toutes. Merci. Monsieur Djibar Kassi, la parole est à vous. Monsieur Djibar. Voilà, c'est bon. Pardon, là, donc, par rapport au sujet que Jamal a évoqué et bien exprimé par Achille, ainsi que la sœur Esmahan, intérêt jumé, c'est que les Émiratés engagés dans une entreprise de normalisation des relations avec Israël et la lutte de leadership du monde arabe et musulman avec le rival saoudien, les dirigeants émiratis multiplient les actes et les gestes hostiles à l'encontre de l'Algérie tout en renforçant leur coopération avec le mekhazniste du Maroc, leur allié de la région. Aujourd'hui, Allah, avec son argent, avec son pétrodollar, qui coule à flot
dans les régions de Maghreb telles que le Maroc, la Libye, dernièrement le Mali. La Mauritanie, elle a fait des pressions sur elle. Elle voulait faire des pressions sur la Tunisie. C'est bien expliqué par Achille. Et maintenant, par aussi, Jamel, quand elle a parlé de gazoduc qui va de Nigeria jusqu'en Europe, c'est ça son problème. Aujourd'hui, Ismaël, elle a dit aussi qu'aujourd'hui, tous les pays de limitrophes en Algérie, elle voulait les mettre contre l'Algérie. Mais alhamdoulilah, nous avons une grande armée et un grand peuple surtout. Merci, M. Djebar. Merci. Merci d'être là. Merci d'accepter notre invitation. Et tu es toujours le bienvenu. Tu fais partie de l'équipe, de la maison. La main dans la main, Inch'Allah. Monsieur, à qui la faute? Je pense que c'est à moi, non? Ou c'est à toi? c'est à vous maintenant, hein, vous m'avez oublié. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas facile de gérer tout ça quand même. Hein. Exactement, je sais. Donc, juste pour dire que il y a un livre qui parle de tout ça. Je pense que Djebar Qassi connaît ce livre, mais certainement il a lu Balek. C'est un livre intitulé « La politique de sages sionistes ». La politique de sages sionistes, qui parle comment les sionistes, comment détruire des nations complètes, à l'image de l'Irak, à l'image de la Syrie, à l'image de la Libye, et ainsi de suite. Donc à travers des pions, à travers des pièces d'échecs qu'ils utilisent à l'intérieur de ces pays et qui bien sûr déstabilisent le régime en place et sème la cisanie au sein de la société pour bien sûr diviser les peuples ou détruire carrément les nations. Donc pour dire, on le dit hautement et clairement, d'une manière forte, de toutes les manières, l'Algérie est forte de par ses hommes, ses femmes et son armée populaire nationale, donc de vive l'Algérie et son peuple, bien sûr, et les hommes ici présents, constituent certainement une barrière à l'encontre de tout ou toutes celles ou ceux qui veulent diviser notre pays. Nous leur disons non, vous ne pouvez pas le faire et vous ne pourriez pas le faire. Et merci et bonne nuit à tout le monde. Merci mon frère. Reste avec nous, on va écouter l'hymne national tous ensemble à la fin du live. Amélos, j'ai oublié une chose. Je ne sais pas si c'est une proposition. C'est ma proposition, c'est d'avoir une pensée à nos frères palestiniens, aux enfants palestiniens qui tombent chaque jour avec des centaines, à des dizaines, à des milliers. Donc, d'avoir une pensée à leur égard. C'est tout à fait normal. Merci beaucoup. On revient à Faisal. Alaykoum salam. انا وين حبيت نشكر كل اللي شاركوا اليوم وكل اللي سمعونا وكل اللي بارطاجاو وكل اللي عاونونا في المبادره هذه. المبادره هي مبادره شعبيه. انا نامن بلي الجزائريين كل يغيروا على الوطن تاعهم وكلهم مع الجزائر واحده موحده، ولكن لازم نتعاونوا باش تكون امور منظمه، فقط امور موثقه فقط باش تكون اكثر فعاليه. وكذلك انا حبيت نقول غدوة إن شاء الله يناير دم رفوح إن شاء الله سكوس من جاز، وربي يرحم الشهداء وربي يرحم شهداء فلسطين كذلك وشهداء كل إنسانية في أي مكان. وتحية الجزائر، تحية 58 ولاية. يرحم والديك. مرسي بكو مون فرير. رست افيك نو أشيل أتوا لا باغول مون فرير. مرسي يا ميروش. Moi je dirais que je vous remercie tout d'abord. Je remercie l'ensemble des participants et de ceux qui sont venus voilà, nous écouter. Je rajoute, s'il me reste une petite minute, à M. Djamaldine, parce qu'il était bien partant sur un sujet très pertinent. Malheureusement, il a été coupé par le CNR. Non, il va faire la conclusion après toi. Je l'ai laissé en dernier, c'est pour voilà, ça. Parce que c'est le sujet, il est vraiment très, 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 très pertinent et ça tient à cœur le monde entier.
Et le seul pays qui est visé maintenant, c'est l'Algérie. Jamal, il a été bien partant et il a été didactique dans son explication. Malheureusement, si comme si Bjaïa ou Tizi Ouzou constituent le nombril du monde. Franchement, je suis désolé. Ça arrive, des petits malentendus comme ça. Il faut un peu de tout pour faire un monde. Non, on n'a pas le choix. Voilà, donc j'ai terminé. Je laisse la parole à Jamal pour qu'il puisse... Voilà, Jamal nous fera la conclusion de ce live. Voilà. Après une semaine au livre national. إلا أنني حبيت نجاوب عليا خويا اللي طرح سؤال حبا نعقبلو عليه معليش في كلمتين. خويا الياس قلت بلي الجزائر تقول بلي دولة يعني كما نقولوا ختنا ولا دولة صديقة ولا دولة في التعبير، هذا يدخل في الأعراف السياسي، في الأعراف السياسي تستعمل هذا الترم. حنا كشعب نقدر نستعملوا أي ترم، مي في الأعراف السياسي ولا الدبلوماسي لازم يكون هذا الكتابة. وكما نقولوا حنايا كي يكون الواحد ما يحبش واحد يهضر مع جونتيمون بصح يقول له اللي في القلب راه في القلب. هذا هي الشيء اللي يديروا باغ اكزومبل الدولة الجزائرية. والدولة الجزائرية عمرها لا عادت أي دولة أجنبية، عمرها لا دخلت في أي مشكل دولي. أما بالنسبة نكمل لحكاية الغاز اللي الامارات كانت حبت بها تدبر لنا الامر هذا، باسكو بوريطا وجماعته والبوركينا فاسو والنيجر وتشاد كانوا تتفاهموا بين بعضهم باه زعما يديروا طريق من جهه لاموريتاني تخرج لاتلانتيك، وحبوا باه يديروا النوتر تويو باسكو ما قبلوا لهمش انو بابو سيني لاكور معاهم سنيتو الجزائر. والجزائر بدات الخدمه راها بدات ديجا باه يدخل تيو الجزائر راه قرب ماهوش بعيد، وهما حبوا زعما باه يكسروا هذه العمليه. وهذه عمليه صهيونيه عندنا من الجهه هذه تضرب فينا الامارات ومن الجهه الاخرى يضربوا فينا بنو صهيون مع المغرب. هذا واش حبيت نقول. ونزيد نكملها فيما يخص لابيتيسيون، نطلب من الاخوه وكل انهم يديروا توزيع لابيتيسيون لجميع الناس اللي في الفيسبوك ولا في تيك توك ولا في اي تواصل اجتماعي باه تلحقهم ويسنيوها بربي ان شاء الله. ويكونوا انا من غدوة بربي ان شاء الله راح نزيد مالقري يعني بعث من زيد نبعث بزاف بربي ان شاء الله باه تلحقهم الفكرة هذه. وكثر خيركم وجزاكم الله خير على المبادرة هذه، جزاكم الله خير. ميرسي خويا جمال، ميرسي فيصل، ميرسي الياس، ميرسي اشيل، ميرسي جبار قاسم، ميرسي اكيلا فوت، ميرسي احمد، ميرسي توت بيرسون كي سون لا parmi nous كي ترافاي دو بون كور بور سيت انيشياتيف سيتويان. اي ميرسي كاع الناس اللي تبعونا في اللايف هذا، مرحبا بكم غدوة، مرحبا بكم تو لي جور، لا مان دون لا مان، لونيون في لا فورس. Aujourd'hui, on est menacé de partout, on n'a plus le choix. On est obligé d'y aller au-delà. On doit dire qu'on est algérien et fier de notre pays, et fier de nos chouhada, et fier de notre drapeau. Celui qui n'est pas content, c'est le même prix. On n'a pas de, hein, on n'a pas de compte à rendre à personne. Merci à vous tous. Merci les tabouna sur Facebook aussi, parce qu'on est sur deux lignes, on est sur Facebook, en même temps sur TikTok. Je suis vraiment content, je suis vraiment ravi de vous recevoir tous les soirs s'il le faut, et pour y aller au-delà. On va faire notre travail jusqu'au bout, Inch'Allah. On va écouter l'hymne national tous ensemble et M. Alakhir tout le monde. Merci.